Merci à Jésus, merci à toi Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous vous aimons. Moi, moi et moi, nous vous disons bonjour. Bon arrivée à tous ceux qui se connectent en ce moment. Bonjour, à mon fils Benjamin Boro, le reverend Benjamin Mboro. Mboro Heavenly Joy. Oh, ça c'est bien. Bless you. You are welcome, Heavenly Joy. du Duchel. Bonjour. Adinga. Bonjour. Merci pour le cœur. Borel Kamdem. Bonjour. A tout le monde. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous vous prions de vous connecter massivement, de partager surtout la vidéo. Si chacun partage la vidéo, nous changerons le monde. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page. Et surtout, appuyez sur le pouce bleu. Aimez la page. Aimez la page. Nous avons un défi que nous n'avons pas encore relevé. Ça veut dire que nous voulons... On a déjà, en quelques mois, à moins, en un mois environ, nous sommes passés de 13 000 abonnés à 21 000 abonnés. 21 600 quelque chose d'abonnés. Nous bénissons le Seigneur pour cela. On a presque doublé. Et il faut qu'on ait 12 000 pouces bleus pour officialiser notre page. Donc, s'il vous plaît, militez pour cela, battez campagne. 12 000 pouces bleus en 24 heures avant demain. Matin, nous devons atteindre les 12 000 pouces bleus. Donc, s'il vous plaît, appuyez sur le pouce bleu. J'aime la page. Aimez la page. Aimez la page. Aimez la page. Et abonnez-vous. Si vous nous suivez, vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous pour avoir les notifications de nos nouvelles vidéos, de nos nouveaux enseignements. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Comme vous le savez, notre émission, désormais, c'est 30 minutes pour accorder l'occasion à chacun de façon condensée à recevoir ce qu'il a à recevoir. Et puis, à cause des méga aussi, il peut économiser les mégadons Donc, euh, je voudrais vous parler ce matin du Dieu qui parle aux morts. Ces habitants de Douala, je suis à Douala, je parle comme ça à partir de Douala, ce live. Et fait à partir d'un hôtel de la ville. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Hier, Dieu a manifesté une grande grâce au milieu de nous et nous avons été choqués. Choqués par le nombre de femmes. Ça a commencé par une femme. Nous étions en train d'adorer. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose grandement sur chacun d'entre nous comme la pluie de l'avant et de l'arrière saison. Au nom de Jésus Christ. Amen. Alors, pendant que nous étions en train de faire l'adoration, la parole de l'Éternel m'a été adressée, qu'il y a une femme ici qui a son enfant qu'on appelle Jolie. Dit à cette femme que son fardeau lui a été ôté. Et donc je l'ai dit naturellement à l'Église qu'il y a une femme ici avec sa fille qu'on appelle Jolie. Et puis la femme, ce n'était pas la mère biologique, de la fille. Elle est venue avec la fille, euh, avec sa fille. Je ne sais pas si c'était la fille de sa soeur ou bien de qui, je ne sais pas, je ne me souviens plus trop. Et puis, sa fille s'appelant Jolie était devenue folle, on l'avait rendue folle. Et le Seigneur disait qu'on l'avait amenée chez Marabout, je pense que c'est ça. Non, non, ce n'est pas ça. Elle, on a prié, Dieu l'a délivrée de l'esprit de la folie. Après, le Seigneur m'a dit qu'il y a une jeune femme dans la salle qu'on avait amenée chez Marabout, qu'on appelait Pelé, Pelé La jeune fille est venue devant et puis elle a dit que justement, on l'avait amené chez un marabout qui s'appelait Pelepele. Et pendant que je prophétisais sur elle, le Seigneur m'a révélé quelque chose de choquant. Dieu m'a dit, tu vois cette jeune femme, le marabout a abusé d'elle. Il a couché avec elle, il a violé. Et puis je lui ai dit, je vais dire quelque chose de très choquant qu'on n'a pas encore partagé avec quiconque. Votre marabout Pelé Pélé vous a violé. Et là, c'était les larmes. Et Dieu m'a dit que je l'ai fait appeler devant, parce qu'il y a plusieurs ici qui ont été violés, abusés par les marabouts. Et j'ai donc demandé que toutes les femmes dans la salle qui avaient été abusées par des marabouts puissent venir devant. Pour ceux qui ont suivi le direct d'hier, on a eu beaucoup, beaucoup de femmes, je pense plus de 100 femmes sont sorties, qui ont été violées par des marabouts, d'autres ont été droguées par des marabouts. Et sur cet élan, j'ai dit que le gouvernement camerounais doit investiguer sur les marabouts. Donc on ne doit pas seulement dire que les pasteurs, aujourd'hui yeux divisent les familles, les pasteurs couchent avec les femmes à gauche, à droite. Les marabouts, c'est un fléau. Euh, que tout le monde est en train d'ignorer. Mais beaucoup de femmes, regardez le grand nombre de ces femmes-là. Hein, elles étaient très nombreuses, qui ont été violées par les marabouts. D'autres, mais le marabout giflé parce qu'il a voulu savoir pourquoi est-ce voulait coucher avec elles. Donc, on doit investiguer sur les marabouts. Je pense que le gouvernement camerounais doit ouvrir des enquêtes contre les marabouts. Et j'ai dit une chose. Si vous êtes une brebis, vous arrivez dans une église et qu'un pasteur vous dise... Euh, pour ta délivrance, il faut que tu couches avec moi parce que le Seigneur m'a dit de te transmettre l'onction interne. C'est un bandit, c'est un marabout, c'est. Fuyez-le, c'est un mercenaire, c'est Ce tout, sauf un pasteur, c'est tout, sauf un serviteur du Dieu vivant. Un pasteur craint Dieu, un vrai homme de Dieu craint le nom de l'Éternel. Il ne peut pas venir t'imposer qu'il faut coucher avec lui pour recevoir la délivrance. Et je pense que malheureusement, dans l'Église, les jeunes semaines aiment ça. Ça à dire que si vous aimez le genre de pasteur qui se méfie des jeunes filles, qui met une barrière de sécurité entre vous et les jeunes filles, les jeunes filles fuient l'église. Elles n'aiment pas. ce quel genre de pasteur comme ça Elles ne me donnent même pas l'occasion de lui montrer mes prouesses. Vous voyez. Mais cependant, les gens qui veulent mener la vie de sainteté sont rejetés aujourd'hui. Les hommes de Dieu sérieux, les jeunes filles, certaines jeunes filles hein, ne veulent pas de ce genre d'hommes de Dieu. Elles aiment les hommes de Dieu qui vont passer le temps avec elles, coucher avec elles et faire des choses qui ne sont pas tout à fait. Acceptable. Donc, si un homme de Dieu, votre pasteur, vous dit, viens coucher avec moi, c'est ta délivrance, c'est la seule voie de ta délivrance, dis-lui, je préfère mourir que de passer par celle voici si ci c'est ça ma délivrance, je préfère mourir. Vous comprenez? pas c'est un abus. Il y a des gens qui ont reçu une certaine position et ils abusent de cette position-là pour atteindre certaines personnes, pour assouvir leur velléité sexuelle diabolique, démoniaque et dépravée. Il faut faire attention. Et je pense que c'est le temps pour nous. Ce soir, nous allons continuer ce grand programme. Peut-être vous n'étiez pas là hier et que vous avez aussi été abusé. J'ai dit qu'une femme qui couche avec un marabout, elle est maudite. Elle est maudite pourquoi Parce que les marabouts, c'est les personnes qui travaillent avec les forces des ténèbres. Ils font des incarnations, ils font des sacrifices, ils égorgent des moutons, des chèvres et tout cela. Ils dorment dans les cimetières pour avoir la puissance, vous voyez. Donc quand tu couches avec une personne comme celle-là, toute son énergie négative t'est transmise rien de bon ne peut plus venir de toi. Automatiquement, ta vie sera morte. Ta destinée est transposée, elle est transplantée dans un cimetière. Et tu vas remarquer que, waouh, quand tu partais chez le marabout, c'est vrai que ta vie était déjà abîmée, mais à présent, après l'acte-là, ta vie est complètement néantisée. Et c'est là que tu te rends compte que, wow, j'aurais pas dû coucher avec ce marabout. C'est la même chose avec les pasteurs. Vous devez éviter de coucher avec votre pasteur. Si un pasteur te dit, viens coucher avec moi, mon ami, dis-lui non. Dis-lui que je ne peux pas que je préfère mourir que de le faire, vous voyez. Ainsi, tu seras en train de préserver ton âme. Si ton pasteur veut aller en enfer, qu'il aille en enfer tout seul. Mais toi, tu peux conserver ton corps. Donc, c'est important que les gens puissent comprendre ce, ces choses-là. Donc, ce soir, nous allons commencer, on va continuer avec un esprit de délivrance. Dieu veut nous délivrer à, et délivrer les habitants de Douala. Et le Seigneur m'a retenu en otage à Douala pour cinq jours. Depuis dimanche, je, je, je suis à Douala et je vais rentrer certainement peut-être vendredi très tôt. Euh, ça dépendra. Bon, mais je suis là. Le Seigneur m'a dit reste jusqu'à ce que tu te rassures, que tous les habitants de Douala qui seront présents en Dogbon, derrière l'immeuble Kamelé, chacun puisse avoir sa délivrance. Et puis, on a vu hier les gens pleuraient, les gens étaient par terre, d'autres couchaient par terre parce que ce que le diable est en train de faire, c'est déplorable. Alors, je vais lire rapidement avec vous le texte de Luc, chapitre 7. Et la Bible dit le jour suivant, à partir du verset 11. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit jeune homme je te le dis lève-toi et les mort s'assit et s'est mis à parler Jésus les rendit à sa mère Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu disant un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple Seigneur je prie pour quelqu'un qui a perdu son fils Seigneur ramène son fils à la vie au nom précieux de Jésus amen Alors quand je parle du fils ici je parle de ce n'est pas toujours un enfant, hein, ça peut être, le fils est un symbole. C'est la symbolique d'un bien que tu as perdu, d'un héritage spirituel ou matériel ou financier ou familial ou sentimental que tu as perdu, d'une chose qui était très très importante, qui occupait une place extraordinaire dans ta vie, mais qui t'a été arrachée par Satan. Tu retrouveras cette chose avant la fin de cette émission si tu la foi au nom souverain de Jésus. Tu dis Amen où tu es et ce qui était volé, ce qui était mort dans ta vie revient. À la vie. Je vais sur la base de la vérité selon laquelle Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il dit euh, dans Jean chapitre 11 verset 25, il dit à Marie, je suis la résurrection et je suis la vie. C'est-à-dire que je peux ramener quelqu'un de la mort et je le maintiens vivant. Et personne ne peut plus tuer cette personne-là. Voilà pourquoi je donne une prophétie simple mais profonde. Chaque chose dans ta vie qui a été tuée. Chaque domaine de ta vie où la mort, que la mort a englouti, j'ordonne la résurrection par le manteau de Jésus-Christ dans ma vie. Vous récupérez tout ce qui vous a été volé et vous récupérez tout ce qui a été mort, même si c'était déjà au cimetière. Le Seigneur intercepte le cortège mortuaire pour te rendre ta grâce, ta bénédiction, te rendre ton élévation et ta gloire, parce que tu mérites une gloire. Tu es le sel du monde et tu es la lumière de la terre le sel de la terre la lumière du monde donc. mais cependant beaucoup d'entre nous ne vivons pas cette gloire la gloire de la prophétie que jésus christ a donnée par rapport au fait que nous soyons le sel de la terre et nous soyons la lumière du monde mais Jésus a fait un paradoxe il a dit si la lumière qui est en toi est ténèbre combien grandes seront ces ténèbres beaucoup d'entre nous et il dit et si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t on la, le plus souvent en tant qu'enfant de dieu la majorité d'entre nous nous sommes du sel, mais sans saveur. Nous sommes une lumière, mais qui ne brille pas. Ça veut dire que la lumière a les ténèbres en elle. La lumière est engloutie par les ténèbres. Ta lumière sera révélée au nom de Jésus-Christ. Ta lumière, ce mois, sera révélée. Et tu vas retrouver ta salinité dans le nom précieux de Jésus. Tu vas retrouver ton goût. Et à cause de toi, ta famille va retrouver aussi ça, la joie de vivre. C'est ça le sel. Donner la joie au repas. Donner la joie à ceux qui mangent un repas. La lumière s'est éclairée, devenue une référence devenir un point de repère, que Dieu fasse de toi une référence, un point de repère dans le nom précieux de Jésus. La Bible parle de la veuve de Naïm, la Bible nous la présente. C'était un deuil, on la voit sur le point d'aller enterrer son unifice. Et la Bible explique que cette femme, son mari était mort, elle était veuve. Donc, ça veut dire que Satan lui avait arraché d'abord son mari, qui était l'homme le plus précieux de sa vie, et puis son fils qui lui restait comme la chose la plus précieuse. Satan lui a aussi arraché. Je sais pas ce que le diable vous a arraché. Pendant que vous me regardez, je sais pas ce qui vous fait pleurer. Ça peut être votre santé, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être le destin de votre enfant, ça peut être votre propre carrière, ça peut être votre euh, avenir. Ça peut être n'importe quoi qui vous était précieux et qui vous avait été donné comme un don de Dieu, comme une grâce de Dieu. Ça peut être une personne qui vous est chère, mais qui a traversé des moments très difficiles. Si vous avez la foi dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, j'ordonne que cette personne, ce domaine de votre vie reçoit un miracle immédiat, reçoit un miracle immédiat. Aucun diable ne peut s'opposer à ce que je vous dis. Parce que je parle avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Cette bouche a été sanctifiée. Elle a été mise à part pour parler. Voilà pourquoi Dieu m'a dit en vision, lorsqu'il m'a parlé, il m'appelait. Lorsque le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas plusieurs Où est votre Dieu? Aujourd'hui, le temps est accompli. Je me suis levé pour proclamer la délivrance, une saison de restauration dans ta vie au nom souverain de Jésus. Il y a eu deuil, mais il n'y a pas eu enterrement. Et je vais dire à quelqu'un, il y a eu mort mais il n'y a pas eu d'enterrement. Il y a eu des obsèques, mais il n'y a pas eu d'enterrement. On a creusé le tombeau, mais il n'y a pas eu de cadavre dans ce tombeau. Ton cadavre n'arrivera pas dans le tombeau. Le Seigneur vient d'intercepter le cortège mortuaire et morbide de ta vie, de ta famille. Tout ce qui avait été tué, toute personne dont la destinée a été tuée dans ta famille. Jésus-Christ vient d'intercepter le cortège mortuaire. Il n'y aura pas d'enterrement. Ce voyage n'est pas pour le cimetière. Il y aura un demi-tour. Cette femme était entourée. La Bible dit que toute la ville l'accompagnait vers le cimetière. C'est dangereux lorsque ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous entourent, sont des accompagnateurs du cimetière. Ce sont, sont eux-mêmes qui ont creusé la tombe de ce garçon. Et cette mère pressait sa mère d'aller, d'aller vite pour qu'on finisse l'enterrement parce que nous avons les choses à faire. La Bible dit au verset 13, « Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. Personne n'a dit à cette femme, « Ne pleure pas. » Quand vous êtes entouré de personnes qui célèbrent votre malheur, vous êtes mal entouré. Quand vous êtes entouré de personnes qui vous pressent à aller au cimetière, qu'on en finisse, ils voulaient vraiment, parce que tant que l'enfant n'était pas enterré, les ennemis de cette femme ne se seraient pas sentis en sécurité. Il fallait qu'on enterre. Dès qu'on l'aurait enterré, ils auraient dit Waouh, on a fini la femme-là, on a fini son mari, on l'a fini, on a fini son fils. Maintenant, c'est elle qu'on va aussi enterrer. C'est ce qui allait arriver. Son mari était mort, son seul enfant était mort, et la cible de sorciers, ça allait être cette femme. Quel que soit ce qu'on vous a tué, quel que soit ce qu'on vous a volé, Dieu me dit de prophétiser avec autorité. Le Seigneur ramène à la vie ton mariage, ta santé, ton élévation, ton étoile, la lumière qui est devenue ténèbre en toi. Après ce message commence à briller. Les mêmes lieux où tu partais, on te rejetait. On va te recevoir comme un prince parce que c'est ce que tu es. Les mêmes endroits où tu arrivais, on te méprisait. On va t'honorer comme un roi là-bas. Afin que tu saches que la bouche de l'éternel a parlé à travers son serviteur. La honte quitte votre vie. La honte quitte ta vie. L'ignominie quitte ta vie. Les moqueries quittent ta vie. Ces vêtements maléfiques, ces vêtements de misère, de honte. Cette femme était un sujet de raillerie, un sujet de moquerie. Le mari qui faisait sa force, le diable l'a arraché. Lorsque le diable veut te rendre misérable, il commence d'abord par tuer tout ce qui fait ta force, tout ce qui te mettait en sécurité. Le diable t'arrache cela tout ce qui te faisait voir l'avenir comme étant un avenir glorieux, le diable s'attaque à ça. Le diable s'attaque au mari de cet homme, parce que son mari de cette femme, parce que son mari était son soutien. Son mari était son principal soutien, sa principale source de revenus. c'était de revenu, c'était sa bénédiction principale, le pilier de sa vie. Le diable a cassé la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que cette femme, certainement, Dieu avait un investissement redoutable dans la vie de cette femme. On ne nous présente pas la femme. Mais en regardant les malheurs qui ont cerné la vie de cette femme, on comprend que cette femme n'était pas n'importe qui. Elle était prédestinée à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et le diable s'est attaqué à la source principale de son existence. La même chose, toi qui me regardes, peut-être toi aussi, tu as remarqué dans ta vie que le diable s'attaque à chaque fois à tes sources principales de bénédiction, à ce qui est ton abri à ce que Dieu te donne comme un abri. Le diable te vole cela. Chaque relation qui est importante pour ta vie ne demeure pas. Elle est toujours brisée, elle est cachée, on te l'arrache. Chaque relation qui peut changer ta vie, qui peut être une bénédiction pour ta vie, qui peut apporter l'épanouissement à ta vie, tu te rends compte que ce genre de relation ne met jamais long. Mais c'est des relations bizarres, des relations cacophoniques, des relations qui apportent la destruction, la tristesse, l'angoisse, la désolation, la consternation, les blessures et les contusions. C'est ce genre de relation qui se perpétue dans ta vie. Non, écoutez, aujourd'hui... Dieu va changer les jardes de relations qui caracolent et chevauchent autour de ta vie. Le Seigneur enlève les mauvaises relations, les relations pleines de venin, les relations envenimées, les relations venimeuses, les relations vénéneuses. Dieu va les enlever pour te reconnecter à des relations qui te donnent la vie, à des relations qui t'assurent un lentement meilleur. Voilà pourquoi toute personne autour de toi qui veut ton mal et que tu confonds à un ami intime mais qui en réalité est ton ennemi intime, cette personne est dans la confusion. Toi qui me regardes, dis Amen et la chose s'accomplit. Écris simplement Amen et la chose va arriver. Je te dis la vérité. Avant que cette semaine ne finisse, Dieu va faire quelque chose dans, dans ton entourage. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, ton cousin, ta cousine, vraiment, on s'en fout. Toute personne qui ne veut pas ton, ton élévation, qui ne veut pas ton bonheur est un ennemi. Et quiconque est ton ennemi est ennemi de Dieu. Dieu a dit, celui qui vous rejette me rejette, c'est ce que Jésus a dit. Et celui qui me rejette, rejette Dieu. Donc, celui qui te hait ne, ne hait pas seulement ta personne, mais hait aussi Jésus. Et celui qui hait Jésus fait de l'éternel son ennemi. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit par Moïse? Il dit parce que la main a été levée contre le trône de l'éternel. Il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Dieu m'a dit de vous dire que le vêtement de la honte, de la tristesse, de la raillerie, de la moquerie, du sarcasme et de la risée est ôté de votre vie. Le Seigneur s'arrête. La Bible dit que Jésus a arrêté le cortège mortuaire et il s'est arrêté devant la femme et lui a dit ne pleure plus. Et Jésus me dit de dire à quelqu'un ce matin ne pleure plus. Jésus a compassion de toi comme il a eu compassion de cette femme. On ne peut pas changer un monde sans porter ce monde dans son cœur, sans avoir de compassion. Ceux qui accompagnaient cette femme, personne n'avait compassion d'elle. Non. Ce sont même ceux qui avaient tué son fils qui pleuraient même plus que les autres, qui l'appréciaient pour qu'on aille enterrer son fils. Le plus souvent, ceux qui pleurent avec toi ne sont pas toujours en train de compatir avec toi. Quelqu'un qui compatit avec toi ne permettra pas que le cortège arrive au cimetière. Non. Ils allaient plutôt dire à la femme, non, non, le corps ne bouge pas d'ici. Nous allons engager des nuits de prière. Sept jours de jeûne et de prière pour que ton fils revienne à la vie. C'est quel genre d'amis qui, dans le malheur, te pousse plutôt vers le cimetière, pour qu'on t'enterre, on t'achève tente, une fois, pour qu'ils reviennent continuer leur vie. C'est pas des personnes là-bas. Cette femme n'était pas bien entourée. Cette femme, cette femme n'était pas aimée. Ceux qui pensaient ou qui lui faisaient croire l'aimer, ces personnes étaient ses propres ennemis. Et Jésus a exposé les ennemis de cette femme lorsqu'il a arrêté le cercueil pour faire comprendre à la femme si qu'il te trompe. Les pleurs là, c'est pour que tu ailles enterrer ton fils. Après cela, c'est toi-même qui vas enterrer. Pourquoi Parce que tu es une bénédiction, parce que tu es un projet divin. Le diable ne s'attaque pas à des personnes qui ne valent rien. Je répète, le diable ne s'attaque pas à des personnes qui ne valent rien. Le diable ne s'attaque pas aux pauvres spirituels. Non, le diable s'attaque aux vraies personnes. Quand le diable t'attaque, c'est que tu as. Quand le diable t'attaque, c'est que tu portes quelque chose de grand et de fort en toi. Quand le diable t'attaque, c'est que tu es un projet divin. Il y a un investissement puissant dans ta vie que tu ne connais pas. Il y a de cela quelques mois, un ange du Seigneur Jésus-Christ m'a apparu en vision. Il m'a posé la question suivante. Ferdinand, est-ce que tu connais ta valeur Je lui ai répondu oui. Il m'a dit, est-ce que tu connais ce que Dieu a investi en toi Je lui ai dit oui. Il m'a dit que je ne crois pas que tu connaisses ta valeur. Et il m'a demandé, est-ce que tu connais vraiment ce que Dieu a investi en toi Et j'étais triste. Je n'ai pas répondu. Je n'ai plus répondu. Pourquoi Parce qu'il eh, m'avait déjà dit deux fois qu'il ne croit pas que je connaisse ma valeur. Et c'est la vérité. C'est l'ange de mon Seigneur qui me l'a dit. Il connaît des choses que nous ne connaissons pas. Et c'est ça la réalité. Les combats que tu as, ce n'est pas pour rien. Le diable ne combat pas les tonneaux vides. Non. Le diable combat des gens qui constituent une menace pour lui. Des gens qui sont une source de salut pour leur génération. Des gens qui sont un danger pour les intérêts du royaume de Satan. Que Dieu fasse de toi un danger pour tes ennemis ce mois. Que Dieu fasse de toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu punisse tes ennemis. Qu'ils les punissent par ta bénédiction. Que ce qu'ils ont dit que tu ne vivras pas. Que Dieu te fasse vivre ça 10 milliards de fois. Les bénédictions et les grâces qu'ils ont dit que tu n'auras jamais. Les réalisations qu'ils ont proclamées que tu ne réaliseras jamais. Que Dieu multiplie ça par des milliards de fois. Il met ça sur ta vie. Que ta bénédiction soit la punition de tes ennemis. Oui, que Dieu te donne un mariage glorieux, mille fois plus grand que celui de ceux qui se moquent de ton célibat. Que Dieu les punisse par ton mariage. Que Dieu punisse ceux qui pensent avoir maintenant et qui t'écrasent parce que tu n'as pas. Que Dieu les punisse par une richesse extravagante et débordante à gauche et à droite dans ta vie. C'est une prière que je fais. Si tu as la foi, tu dis Amen, je te dis la vérité, l'impossible devient possible. Nous servons le Dieu des impossibilités. Si tu ne le savais pas, la Bible dit, y a-t-il une chose qui soit difficile à Dieu Je dis non. Elle dit encore, y a-t-il une chose qui soit impossible à Dieu Je dis encore non. Et Jésus dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu crois, ce qui est impossible à tes yeux, Dieu va faire un miracle. C'est une question de miracle. C'est une question de miracle. Je libère ce miracle. Au nom de Jésus-Christ, dans ta vie, que Dieu punisse tes ennemis par ta bénédiction. Dieu te bénira. Oui. Dieu te distinguera. Oui. Dieu te mettra à l'abri. Dieu nettoiera les larmes de tes yeux. Ne pleure plus. Parce que ces larmes-ci ne couleront plus à cause de la douleur que t'ont causé tes ennemis. Non. Il n'y a pas eu enterrement. À la grande confusion des ennemis de cette femme. Tes ennemis seront confus. Il n'y aura pas d'enterrement. Celui qui a enterré le tombeau pour toi. Celui qui a enterré le tombeau pour ton enfant sera enterré dans son propre tombeau. Oui. Il y aura un enterrement, mais ça ne sera pas toi. Oui, il y aura un enterrement, mais pas toi, pas ton enfant, pas ta vie, pas ton mari, pas ta femme, pas ton mariage, pas ta richesse, pas ta destinée. Dans le nom de Jésus, je suis venu arrêter les obsèques dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus. La Bible dit je parle de l'homme qui parle aux morts, l'homme qui parle à la mort. Jésus arrive, quelque chose est expliqué, de bizarre. Je vais finir avec cela. Jésus arrive et il trouve les corps. Et la Bible dit il parle au cadavre. Le cadavre n'entend pas, frère. Jésus cause avec le cadavre. Il dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. La Bible dit quoi Et le mort s'assit. Et le mort parla. Mais entre nous, quand quelqu'un s'assoit déjà, ce n'est plus un mort. Mais la Bible l'appelle le mort s'assit, le mort parla. Pourquoi l'écrivain insiste sur le mort Parce que quand il était couché, oui, il est mort. Et Jésus lui parle. Il parle à la mort. Il parle au séjour des morts. Il dit... Il dit... Il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, les portes du Hades, ne prévaudront jamais sur mon église. C'est ça le Hades, c'est le séjour de mort. En hébreu, qui a donné Sheol. En grec, Hades. En français, séjour de mort. Le séjour de mort n'a plus de pouvoir sur toi. Notre Dieu est le Dieu le seul qui parle au séjour de mort. Et le séjour de mort vomit ce qu'il a avalé. Cet enfant avait été avalé par le Hadès. Jésus a ordonné au Hadès de vomir son esprit. Et le Hadès a ouvert sa gueule. Le séjour de mort a ouvert sa gueule et a volé, a, a vomi cet enfant. Et il est revenu dans son corps. Et l'enfant qui était mort s'est relevé. Et la femme a retrouvé ce qu'elle avait perdu. Je parle au Hadès au nom de Jésus-Christ. Tout ce que la mort avait avalé dans ta vie, tout ce que le mort, la mort avait appelé. Dans ta vie, au nom puissant de Jésus, la mort vomit cela. La mort et le séjour de mort vomissent tout ce qu'il t'avait arraché. Dans le nom précieux de Jésus, je vous dis la vérité. Hein, j'ai dit la vérité devant Christ qui m'a appelé, je ne mens point. Celui qui dit Amen, celui qui croit en cela, celui qui partage cette vision, c'est cette vidéo, je te dis la vérité. Cette journée, avant le lever du soleil demain, la mort aura vomi, le séjour de mort aura vomi, le hadès et le Séol auront vomi la totalité de tout ce qu'ils avaient volé et avalé, hapé, mastiqué par phagocytose ou par Pinocitos dans votre vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Si tu crois que c'est un prophète qui te parle, tu dis Amen, la chose va arriver. Beaucoup d'entre nous... On nous a dépouillés. Comme cette femme n'avait plus rien. Elle ne possédait plus rien. Il y a beaucoup de personnes qui avaient quand même quelque chose. Aujourd'hui, ta vie est l'ombre d'elle-même. Tu ne sais plus pourquoi tu vis. Tu sais pas s'il faut monter ou s'il faut descendre. Ça veut dire que c'est comme si tu es venu accompagner les autres. Non, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus venu accompagner les autres. Les autres vont t'accompagner. Tu as célébré des mariages des gens. Tu as été fille d'honneur. Dans combien de mariages? Tu as reçu combien de bien-invitations pour des mariages? Aujourd'hui, ton tout est venu. Tes ennemis recevront aussi ton billet. Tu as accompagné les gens combien de fois à l'aéroport de Douala ou bien à l'aéroport de Yaoundé-Simalin de sans jamais prendre l'avion. Aujourd'hui, on t'accompagnera aussi. Tes ennemis entendront ce que Jésus a fait. Il n'y a que Dieu. Il y a des situations dans nos vies où il n'y a que Jésus Christ pour arrêter le malheur. Où il n'y a que Jésus Christ pour arrêter ce, ce, ça dit que pour arrêter ce cortège ce cortège mortuaire, ce cortège morbide, fantomique et fantasmagorique, diabolique. Dieu arrête tout cortège qui t'amène vers la mort. Tu ne mourras pas. On ne t'enterrera pas. Et ce qui avait été enterré dans ta vie, revient à la vie. Parce que notre Dieu, il peut ramener à la vie même ce qui est déjà mort dans ta vie. Est-ce que tu crois en cela Il dit à Marie, Je suis la résurrection, je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il était mort, il reviendra. Ta vie sentimentale qui avait été enterrée, je te dis la vérité, je l'avais ressuscité. Ta carrière, ta vie professionnelle qui avait été enterrée, je l'avais ressuscité. Ton ministère, si spirituellement ton ministère est enterré, c'est normal que physiquement tu ne fasses rien de ta vie. Si tes affaires, ta richesse a été enterrée dans le règne de l'esprit, maléfiquement parlant, c'est normal que ta boutique meure. Que tu remarques que tu ailles de dette en dette, tout ce que tu fais, il y a un esprit de blocage. L'esprit de blocage dans ta vie veut dire quoi que spirituellement, ta bénédiction a été... Att... Elle est enterrée. Tu es enterré. Donc il faut la puissance de Jésus-Christ pour ordonner à la force qui retient dans cet enterrement ta richesse, ton mariage, etc., etc., etc. Tu connais mieux que moi les domaines de ta vie qui ont été enterrés. Il faut la parole de Christ dans une émission comme celle-ci pour commander. Et la chose revient. Je vois Dieu commander. La chose revient. Dans chaque diapason de ta vie, dans chaque champ de prédilection de ta vie, le Seigneur vient d'ordonner. Et je vois les morts ressusciter. Je vois des mariages qui étaient morts. Des gens, des hommes et des femmes. Il y avait un contrat dans leur vie. Il ne se mariera jamais. Elle ne se mariera jamais. Je vois ces gens se marier. Je vous dis la vérité. Tu crois en ça, pardon, dis Amen. La chose va arriver avant que le mois de mars... Le de finisse. Avant que le mois ne finisse, il y aura une main. Vous connaissez la main que Élie a vue. Hein, il a demandé à son serviteur, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois La Bible dit qu'il a regardé et dit, je vois un nuage sous une forme d'une main. C'était un signe pour montrer que la main de Dieu se formait déjà. En faveur d'eli et en faveur du peuple, je vois une main dans les nuages, la main de Dieu. Et se ce au dessus de ta vie, c'est la main du jugement contre ceux qui se sont attelés pendant des années, peut-être avant même ta naissance, ont commencé à travailler maléfiquement parlant dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère. On commencé à amasser des malédictions sur votre famille. Je vois la main de Dieu qui viendra pour ta délivrance et pour le jugement de tes ennemis. Que Dieu punisse le diable dans ta vie. Que Dieu punisse l'ennemi de ta vie et que Dieu punisse tout hypocrite autour de toi. Le mois, ci ne finira pas sans que leur visage n'ait été manifeste et révélé. Toute personne qui était un agent de Satan dans ta vie, j'allume le feu de Dieu en toi. La Bible dit, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. En, en grec, on dit floga, des pures flammes de feu. Dieu fait de toi la flamme pour son royaume et cette flamme commence à brûler. Et comme elles brûlent, comme elles brûlent, comme elles brûlent, leurs œuvres sont exposées, comme elles brûlent, leurs visages sont exposés, comme elles brûlent, ils ouvriront leur bouche pour te confesser, eux-mêmes, hein? eux-mêmes, poussés par le feu de Dieu, pour te dire tout le mal qu'ils t'ont fait, pour te dire leur hypocrisie, pour te dire combien ils ont pris ton argent pour aller t'envoûter. Combien ils ont pris tes vêtements, tes sous-vêtements pour aller t'envoûter? Combien ils ont pris ta photo pour aller t'envoûter? Combien ils ont pris les mèches de tes cheveux pour aller t'envoûter? Combien ils ont pris ce que tu leur as offert pour aller faire des gris-gris, des incantations contre toi? N'aie pas peur! N'aie pas peur! N'aie pas peur! Ne t'inquiète de rien! N'aie pas peur! Ton Dieu s'est levé pour te défendre. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni l'occultisme contre Israël. Ça n'arrivera plus, ça n'arrivera plus, ça n'arrivera plus. Et je finis avec ceci. La Bible dit dans Jean, Exode 14, verset 14. Il dit, l'éternel combattra pour vous. Vous allez vous reposer. Cette saison n'est plus une saison où tu vas combattre tes combattre. C'est une saison de repos. Repose-toi. Ton Dieu s'est levé pour te défendre. Que le Seigneur te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Rendez-vous demain, dès qu'il sera 10h. Et à tous les habitants de la ville de Douala, je suis à Douala, je vous attends tout à l'heure à partir de 16h. bon, derrière l'immeuble Camlet Ne reste pas à la maison. C'est une saison. Que si tu rates, tu ne la rattraperas plus jamais. C'est moi qui te dis ça. I'm telling you de truth. laisse-moi parler ça en anglais. Tu rates la saison-ci, tu ne la récupéreras plus jamais. Tu rates le programme-ci, je te dis la vérité. Les programmes se suivent, mais ne sont pas les mêmes. Les programmes sont des messagers qui contiennent des messages singuliers. Chaque programme est différent et singulier et porte une grâce, une onction singulière. Donc, quand tu perds un programme, tu as perdu un épisode, un épisode de ta vie. Donc, s'il te plaît, si tu aimes ta vie, si tu aimes ta famille, si tu aimes tes enfants, les gens sont en direct. Lève ta main où tu es, touche l'écran. Touche ton écran, touche ton téléphone, s'il te plaît. La gloire de Dieu et sa grâce sont sur ma vie. Je sens la manifestation de l'Esprit parler. Touche ton écran, s'il te plaît. Regarde ce qui va se passer. Je vais libérer une notion de jugement. Une notion de jugement. Une notion de jugement. Une notion de jugement. Tu vas toucher l'écran. Prends une bouteille d'eau. Prends un verre d'eau. Laisse-moi prendre ma part. Prends une bouteille d'eau. Un verre d'eau. Une minute. Prends ça. Fais vite. Fais vite. Un verre d'eau. Ou une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau comme ça. Assez, c'est assez. On a marre. Nous avons marre des hypocrites, marre des méchants. M'a des agents de l'ennemi qui viennent, qui viennent se masquer, ils se masquent, ils se déguisent pour bloquer ta vie, pour amener le malheur dans ta vie. Les imprecations, quand l'ennemi veut te détruire, hein, quand il veut te détruire, quand il t'attaque, il ne peut pas, il veut te détruire, il devient ton ami. C'est dangereux quand tu confonds ton ennemi à ton ami. Prends ta bouteille d'eau. Quel que soit ton cas, quelle que soit la situation que tu traverses, crois dans ton cœur que comme je prie, Dieu va agir. La Bible dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon nom je le ferai. Et la Bible dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut rendre ta joie parfaite. Il veut nettoyer les larmes de tes yeux. Père, je prie. Quand je vais prier tout à l'heure, les gens vont tomber. Hein? Les gens vont tomber. Écrivez-moi ça en commentaire. Dites-moi ce qui s'est passé. Les gens vont tomber. Si vous conduisez, garé. C'est dangereux, vous risquez de faire un accident. Vous êtes à la maison, s'il vous plaît, arrêtez-vous un instant. Prenez votre bouteille d'eau. Laissez, rassurez-vous que l'endroit où vous êtes, l'endroit où vous êtes vraiment, et si vous tombez, vous n'allez pas vous faire mal. Père au nom précieux de Jésus, par cette eau, je prie que le mystère de l'eau qui a coulé de tes côtes soit révélé dans chacune de ces bouteilles, dans le monde entier en ce moment, où ton peuple est en train de me suivre où ton peuple est en train de me regarder, dans les menaces, dans les, 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 les maisons, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout. Père, que le mystère du sang, qui a, de l'eau qui a coulé de tes flancs sur la croix, entre dans leur verre, Entre dans nos bouteilles. Ouvre la bouteille. Seigneur Jean-John, que ce mystère se révèle des cieux. Que ce mystère se révèle des cieux. Ouvre ta bouteille. Ouvre ton verre. Ouvre ton verre, s'il te plaît, à près de ton téléphone. Père, que l'eau de ta côte tombe. L'eau de ton côté entre dans nos bouteilles. Que l'eau qui a coulé à Golgotha de ton flanc entre dans ces verres d'eau. Maintenant, le mystère de l'eau des côtes de Christ, le mystère de l'eau des côtes de Christ, ça dans le nom souverain de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Père, cette eau, Que les forteresses soient renversées. Écoutez. Partage la vidéo si rapidement que quelqu'un se connecte dans ta famille, amie, un ami, quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un dont tu veux qu'il bénéficie, qu'il profite d'une délivrance immédiate. Écoutez, il n'y a pas de maladie que cette homme ne va pas guérir dans ta vie. Il n'y a pas de situation, les papiers qui sont bloqués, les dossiers, quelle que soit la nature du problème. Père, je prie que cette eau se révèle comme étant une délivrance pour ton peuple maintenant, dans le nom de Jésus. Commençant par nos corps, nos âmes et nos esprits, nos carrières et notre vie familiale et relationnelle. Père, je prie que quiconque a levé son verre, que cette eau des côtes de Christ descende et se manifeste et se glorifie. Seigneur, que des miracles extraordinaires commencent à s'opérer, que des délivrances et des guérisons puissantes Commence à se manifester au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bois de ton eau. Écoutez, tu vas sentir que le goût de l'eau a changé. Moi, le goût de mon eau a changé. Je vous dis la vérité. Je me suis un peu arrêté parce que le goût de cette eau a changé dans ma bouche. Ce n'est pas l'eau que j'ai d'abord bu le matin. Le goût de ton eau, dis-moi comment tu sens le goût de ton eau. Le goût a changé. Si tu sens que le goût de ton eau là a changé, ça veut dire que quelque chose s'est passé dans cette eau-là. Je vous dis la vérité. Écrivez-nous en témoignage, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu est sur toi maintenant. L'onction de Dieu est sur toi maintenant. L'onction de la délivrance descend de ta tête à la plante de tes pieds. Dans le nom puissant de Jésus, reçois l'onction. Reçois l'onction de cette eau. Reçois l'onction du mystère de l'eau qui a coulé des flancs de Christ. Au nom précieux de Jésus. L'eau fort de ta vie est terrassée. Cette maladie dans ta vie est terrassée. Ta situation est terrassée. Elle reçoit une solution. Dans le nom précieux de Jésus. L'eau a changé de goût. S'il vous plaît, goûtez l'eau. Goûtez l'eau. Écrivez-moi, écrivez, écrivez en, en commentaire. Mon nom aussi a changé de goût. Je vous dis la vérité. L'eau des côtes de Christ est entrée dans cette bouteille d'eau. Dis-moi comment ton nom est. Hein? Je vois quelqu'un qui a écrit. Ça a changé, papa? Et Jonathan qui écrit, vérité. je vous dis la vérité, je ne m'attendais pas à ça. L'eau, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'eau naturelle, ça ce n'est pas l'eau naturelle. Ce n'est pas l'eau naturelle. Mon eau a changé immédiatement de goût. Ça veut dire que l'eau des côtes de Christ. Écoutez, vous savez, l'eau qui est sortie des côtes de Jésus. Il y a les gens qui ne comprennent pas ça. Sur la croix, à Golgotha, on a percé le côté, le sang et l'eau sont sortis. Pourquoi l'eau L'eau pourquoi parce que nous sommes son épouse. C'est de la côte que c'est sorti. La côte, on enlève aussi Eve. Vous voyez, nous aussi, on sort de la côte de Jésus. On est son épouse. Et l'eau sort de sa côte, le côté de l'épouse. Ça veut dire que cette eau est là pour purifier son épouse. Pour laver son épouse. De toutes les souillures et de toutes les saletés. Tout ce qui est sale dans ta vie. Tout ce que la sorcellerie a mis dans ta vie. Tu reçois la délivrance en buvant cette eau. Tout ce qui était dans ton ventre sort les kystes, les myomes, les fibromes, les animaux maléfiques dans ton corps, ça part. Je te dis la vérité. Que ce soit les hémorroïdes, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH, que ce soit les hépatites, quelle que soit la maladie, tu as la foi. Maintenant, tu sentiras comment la chose sera déracinée. La chose sera arrachée de ton corps par la vertu de cette eau sainte. Ce n'est plus une eau sainte. Je vois mon eau cristalline. Il dit mon cristalline. Attendez. Laissez-moi dire ça. Rendez-nous témoignage. Mon cristalline. Je ne la supportais plus. Mais son goût est de nouveau agréable. Oh, nous glorifions le Seigneur. Ça veut dire que quelque chose est entré dans votre bouteille d'eau. Et je vois cette vérité, mon eau est devenue salée. Ah ah, salée. Ça, c'est bien. Rendez témoignage. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez bu de cette eau, s'il vous plaît? Le monde doit savoir que la puissance de Dieu a été libérée à travers cette émission. Et vous allez voir ce qui va se passer. Les dossiers, ceux qui sont en Europe, on ne t'a pas donné la carte de séjour. Je ne sais pas quelle carte tu attends depuis longtemps. C'est eux qui vont t'appeler. Je te dis la vérité devant Jésus. Avec l'eau, c'est eux qui vont t'appeler. C'est une eau qui commence à provoquer des miracles scandaleux dans ta vie. Ce qui était mort revient à la vie, est ramené à la vie dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-nous comment votre eau est devenue. Qu'est-ce que cette eau est devenue dans ta bouche C'est le signe, le symbole que l'eau des côtes de Jésus est mélangée à l'eau de ton verre, à l'eau qui est dans ta bouteille. Je te dis la vérité. Quelque chose de puissant et de dangereux est en train de se passer pendant que nous sommes en train de prier. Quelque chose de dangereux est en train de se passer. Oh mon Dieu, j'ai senti j'ai senti mon ventre chauffer, papa. Amen, c'est un signe de délivrance. Ça veut dire que dans votre ventre, il y avait quelque chose de dangereux. Mon eau est devenue salée. Aha, ça c'est Blanche Gabi qui nous dit cela. Mon eau est devenue sucrée. Ça c'est Daniel Nebishi qui nous rend ce témoignage. Nous bénissons le Seigneur. On a encore des témoignages. Oui, papa, l'eau a changé de goût dans ma bouche. Je suis connecté à partir de mon téléphone radio. Oh mon Dieu, à travers la radio, l'eau a changé de goût. C'est un signe que l'eau des Côtes de Christ, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère qu'il n'y a que les chrétiens, les enfants de Dieu pour comprendre. La Bible dit il n'est pas venu avec le sang seulement, mais avec de l'eau. Il est aussi venu avec de l'eau. C'est cette eau qui est entrée dans nos bouteilles, dans le nom de Jésus. Je vous parle l'eau là, c'est une eau sacrée, c'est une eau sainte. Papa, mon eau est devenu gluant. Ah! Hein? Mon eau est devenue gluante. Waouh. Ça c'est Pascal Biloa qui nous dit cela. Nous avons James Saint-Patrick qui dit l'eau est devenue comme tiède. Oh mon Dieu, les mystère du christianisme. On a Jeannette et son qui dit l'eau vient de m'envoyer aux toilettes, papa. C'est la délivrance, ma fille tout animal mystique dans votre vent, tout hôtel totémique, animal totémique vient, va sortir aux toilettes là-bas. Et beaucoup de gens sont aux toilettes. Alors, je parle. Les choses vont sortir. Les lézards, les cafards, tout animal maléfique en toi. Ça sort, ça sort. C'est l'heure de la délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tout blocage sort. Le goût n'est plus le même. Ça, c'est Ulrich Kamgam qui le dit. Que Dieu vous bénisse. C'est votre délivrance. Mon nom n'avait plus de goût. Ah, ah. C'est l'heure de la délivrance. J'ai senti l'onction. C'est Charlotte Behouet, Anne qui le dit. Amen. Et je vois, gloire te soit rendue, Seigneur. J'ai dit, Amen, 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 Amen. Amen. Il y a mon eau à changer de goût. Je bénis le Seigneur pour cela. Je n'arrive pas à la contenir dans mon estomac. Je vomis. C'est la délivrance. Tout ce que cette eau trouve de maléfique en toi, ça sort. Papa, je viens de me connecter. Bon arrivé. Mon eau est devenue le feu. Aha. Pour la délivrance et pour brûler les œuvres de Satan. L'eau. L'eau. L'eau, j'avais est devenue minérale. Oh mon Dieu, mon eau est devenue un petit aide. C'est ça. Je transpire à cause de mon eau. C'est la délivrance, c'est la restauration. Cette eau, les œuvres du diable en toi ne vont pas supporter. On t'avait chassé au lieu du travail. On va te rappeler. Ton dossier qui était bloqué, on va t'appeler. Je te dis la vérité. Les gens n'auront pas la paix. Tes ennemis n'auront pas la paix. Ceux qui ont retenu ta bénédiction n'auront pas la paix. Jusqu'à ce qu'ils t'aient rendu rétrocédé. Totalement ce qui t'appartenait. Je vous dis la vérité. C'est comme si je viens de courir, papa. Il est Elle fatigué. est fatiguée. C'est Aline Djembele qui le dit. Papa, mon eau est gluante comme un gel. Hein? Votre eau est gluante comme un gel. Mon Dieu. Imaginez-vous l'eau qui devient gluante comme un gel. C'est pas possible, mon Dieu. Mon eau du robinet est devenue comme l'eau minérale. Ah ah, ça veut dire que l'eau des côtes de Jésus est entrée dans cette bouteille d'eau. Dieu est en train de se manifester, des délivrances extraordinaires. Papa, le ventre de mon mari fait tellement mal. Donnez-lui cette eau. C'est la délivrance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son ventre. Il y a des poisons là, hein. On t'a donné ça dans le rêve. Tu rêves que tu as mangé ou bien tu as bu quelque chose dans le rêve. Pourtant, c'est des sorciers qui t'ont empoisonné. Tu bois, tu auras des réactions. Il y aura des bourdonnements, il y aura des douleurs, etc. C'est etc. la délivrance et c'est la guérison. Papa, l'eau est devenue très légère. Et directement après avoir bu, j'ai les maux de tête et très fatigué. C'est la délivrance. L'eau normale ne fatigue pas. Ça veut dire que le mystère de l'eau de la côte de Christ est entré là-bas. L'eau a changé de goût. Partage la vidéo. De nombreuses personnes doivent recevoir leur délivrance. En direct au nom précieux de Jésus, et on n'a touché personne. La parole de l'Éternel dans la bouche de son oint. L'eau a changé de goût. Diane depuis la Lituanie. Oh mon Dieu, en Lituanie, la distance n'est pas une barrière. L'ennemi de ta vie sera exposé dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. On a tellement de témoignages. Ça chauffe dans mon ventre. Oui. Ça chauffe, ça chauffe quelque chose dans ton ventre là-bas. Laisse ça chauffer, fais son travail dans le nom précieux de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit toute plante que n'a pas planté mon père céleste sera déracinée. L'eau la déracine dans ta vie. Tout ce que Dieu, ton père céleste n'a pas planté. Tout le malheur là, le diable est dans les problèmes. J'avais les palus. Et je transpire comme un boxeur professionnel. C'est la délivrance, c'est la restauration. Levez-vous. Soyez guéri immédiatement. Cette eau vous guérit et vous relève. Papa, souvent, prier pour ma femme depuis le matin. Elle a trop mal au vent. Donnez-lui l'eau. Elle est délivrée. Voilà la solution que Dieu nous donne ce matin. Papa, mon étoile est retenue en captivité. Buvez cette eau. C'est l'eau de la délivrance. Vous n'êtes plus en captivité. Personne n'est plus en captivité. Les verrous de fer de ta prison sont brisés. Je te vois sortir de cette prison. Je te dis la vérité. Tes ennemis entendront ce que Dieu a fait. Ça, c'est l'eau de la délivrance. Ça, c'est l'eau de la guérison. On a arraché ton mari. On a arraché ta femme. Bois de cette eau en pensant à ton mari et en disant, appelle le nom de ton mari. Dis-lui de revenir. Je t'ai dit la vérité, tu verras ce qui va se passer. Ton mari revient, ta femme revient immédiatement. Ton enfant était perdu, un membre de ta famille était perdu. Bois cette eau. Dieu nous donne la liberté de choisir dans quel domaine nous voulons que cette eau puisse opérer ce matin. Oh, comment tout simplement? La chose arrivera. Quand j'ai fini de boire l'eau, ma main tremble. Ah ah, c'est la délivrance. Dans cette main, il y a quelque chose. Papa, je prie que me rappelle pour aller au travail. D'accord, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen, papa, j'envoie cette eau en mission pour mes dossiers d'emploi à la banque au nom de Jésus. Amen, on va vous appeler dans le nom souverain de Jésus. Papa, mon corps chauffe. Et il y a beaucoup d'autres grandes manifestations de délivrance comme celle-là. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux de Jésus. Ceux qui sont à Douala... Autour de la ville de Douala, s'il te plaît, ne manque pas ce soir, derrière l'immeuble Kamlé en Dogbon, nous avons la délivrance en direct. Dieu est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la ville de Douala et dans notre ministère. Je vous dis la vérité. Hier, j'ai dit aux gens que je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a dit reste à Douala pendant ces cinq jours auprès de mon peuple parce que je veux délivrer mon peuple des fondations qui lui ont résisté depuis longtemps. Que Dieu te bénisse. Soit au rendez-vous demain dès qu'il sera 10h. Nous allons continuer avec ces séances de délivrance à distance. et Écrivez-nous s'il vous plaît vos témoignages. On va les lire. En direct, nous serons très heureux de savoir ce que cette eau a produit dans votre vie. Et demain à 10h, nous allons produire, nous allons euh, procéder à un lavement, un service de lavement de pieds en direct. On aura un service de lavement de pied en direct et je vous montrerai comment ça se passe. Et tu vas voir, Dieu va laver la honte de ta vie. Donc, sois connecté demain, avant 10h. Attends l'heure de ce programme et tu verras ce que Dieu fera. Cette fois-ci là, ils ne t'échapperont pas. Dieu t'a visité. C'est ta saison de briller. Personne ne t'empêchera de briller. Que le Seigneur te bénisse, je te transmets les salutations de Maman, Shalom et Canet. Et elle m'a dit de vous dire que vous aime tellement, que Dieu vous bénisse. Demain, dès qu'il sera 10h. Pour ceux qui sont à Douala, rendez-vous tout à l'heure à 16h à l'immeuble Kamle. Shalom, shalom, shalom. Partage la vidéo, s'il te plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Aimez notre page pour ceux qui n'ont pas encore appuyé sur le bouton. J'aime la page. Aimez la page. On a besoin de 12 000. J'aime la page. On a 11 600. Nous voulons 400. J'aime la page en cette journée. S'il vous plaît, faites-le. Et Dieu vous bénira. C'est tout ce que nous vous demandons. Et abonnez-vous pour recevoir nos notifications. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.